my pocket. 'Cause I've been trying to do this right. With no profits and no loss, I can't stop it. And it just feels a little bit like somebody cut a hole in my pocket. Salut à tous. Salut Pierre. Salut Hervé. Tu es prêt pour cette nouvelle rencontre de Champions League ? Ouais, je suis prêt, surtout que c'est bien lancé. C'est le deuxième match avec deux clubs qui veulent le gagner, ça promet. Deuxième journée dans cette UEFA Champions League, qui a l'air encore très relevée cette saison. Ouais, mais enfin, globalement, elle est relevée tous les ans, Hervé. C'est clairement la compétition qu'il ne faut pas louper. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. Alors qu'on voit maintenant le type d'organisation retenu par l'entraîneur pour ce match. Il va faire jouer son équipe en 3-5-2. Bon, il compte sur la qualité de relance et de passe de ses défenseurs centraux pour trouver des espaces. Pierre, on est sûr d'une chose, c'est que cette équipe, elle ne va pas laisser une seconde de répit à son adversaire. Hein. Dès qu'elle sera privée de ballon, elle essaiera de le récupérer. Oui, Hervé, et puis on ne peut pas lui reprocher d'ailleurs. Hein. Ça veut dire qu'elle a envie de se battre et qu'elle ne va pas se laisser faire. Ça peut être intimidant pour l'adversaire aussi. Le premier ballon de ce deuxième match. Ouais, le public commence à trouver le temps long, mais ça y est, on y est. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement, ils perdent le ballon. Alvaro Adriozola, De Bruyne, Williams. Est-ce ce ballon qui traîne ? Kevin De Bruyne, Depay. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Alors, on va bien sûr suivre de très près aujourd'hui le petit Belge Eden Hazard. Ouais, c'est un mec génial, c'est la grande classe, un talent pur, et puis c'est un mec qui aime bien vivre et ne pas se prendre la tête. Ce sera un corner, hein, concédé par la défense finalement. Premier corner, mine de rien, c'est peut-être l'une des plus belles occasions qu'ils auront aujourd'hui. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Attention, ballon bien capté par Courtois. On s'attend à un match plutôt facile pour les joueurs du Real. On les voit mal être inquiétés. Oh, le vilain tacle où l'arbitre va sévir à mon avis. Eh bien, les choses n'auront pas traîné hein, ce début de match. Ouais, déjà un premier carton jaune. On revoit le joueur se jeter sur ce ballon. Et la faute, bien sûr. On revoit ce tacle glisser et la faute est nette. Hein.
Ballon bien récupéré par Paul Pogba. Oui, la frappe. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Une frappe soudaine du coup de pied qui finit sur la droite. C'est le Real Madrid qui prend la tête. Abel Hernandez. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Oh, que c'est bien donné ça. Ouais, c'est bien donné ça. Oh là là, comment a-t-il fait pour ne pas marquer? Il n'a pas le droit de manquer ça. À la limite, on a compris ce qu'il voulait faire, mais dans l'exécution, bonjour. Hein. L'histoire de la Ligue des Champions, totalement indissociable de celle du Real Madrid, vraiment. C'était... Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Corner, c'est un corner pour le Real. Modric qui va chercher un... Matisse de Ligt. Défenseur qui ne prend pas de risque, qui dégage ce ballon. Nikola Vlasic. Mario Fernandez. Abel Hernandez. Le ballon qui change de camp. Modric. Alvaro Adriozola. On assiste à vraiment un regroupement défensif. Hein. C'est très net. Avec un tir. Oh, la bonne intervention d'Akin Feyef. Ce sera un corner pour le Real. Allez, dans la surface, le corner de Modric. Ah, ça va pas être facile de s'en sortir. Le ballon qui sort, touche. Mario Fernandez. Nikola Vlasic. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Allez, il y a quelqu'un en premier poteau. Et le centre bien négocié par le gardien. Ah, il récupère le ballon après un excellent pressing, vraiment haut. Hein. Ah, bien déposé hein, ce centre, mais personne pour le reprendre. Abel Hernandez. Ah, l'attaque enrayée. Alvaro Adriozola. Et ça part très loin avec ce dégagement. De Paille. De Bruyne. Il perd le ballon. Abel Hernandez. Très mal donné hein, ce ballon. Williams. Eden Hazard. De Paille. Il a débordé la défense. Akin Feyef, sans problème. Mario Fernandez. Abel Hernandez. Modric. Ouais, très bonne passe là, de De Bruyne dans l'espace. Le gardien est sorti très vite. Oui, il n'a pas laissé le temps à l'attaquant de s'organiser. Danny Rose. Matisse de Ligt. Ouais, le deuxième jaune peut-être. Attention.
Donc ce serait un rouge. Il va sortir. Ça lui évitera une autre sortie plus radicale. Parce qu'il avait déjà un carton jaune. Ça pouvait être dangereux. Le ballon dans la surface. Eden Hazard. Modric. Oula, il a laissé sur place avec son geste. Bonjour, merci, au revoir. Modric, sa passe est interceptée. Matic de Ligt. Jesús Vallejo. Paul Pogba, Modric. Le quatrième arbitre qui donne 3 minutes de temps additionnel. Hakim Ziyech, sans problème. Williams. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. Et on a dégagé pour écarter le danger. Williams. Un ballon facile pour le gardien. Pas assez dangereux avec cette tête. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. Pierre convaincu ou pas par la première période d'Eden Hazard? C'est par sa mise, son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Le premier ballon de ce deuxième match. Ouais, le public commence à trouver le temps long, mais ça y est, on y est. Oh, le vilain tacle. Où l'arbitre va sévir, à mon avis. Eh bien, les choses n'auront pas traîné, hein, ce début de match. Ouais, déjà un premier quart. Ballon bien récupéré par Paul Pogba. Ouais, la frappe. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score, déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. C'est vraiment un regroupement défensif. Hein. Avec un tir. Oh, la bonne intervention d'Hakim Ziyech. C'est reparti dans ce match. On rappelle que c'est le Real qui mène le score. Non, elle est interceptée cette passe. Ouais, coup franc, bien sûr. Ah, je croyais qu'il allait lui mettre un jaune. Bon, ben là, il a préféré rester en mode avertissement verbal avec l'air de dire bon, ça va pour cette fois, mais attention maintenant, je vous ai à l'œil. Et ça sort en 6 mètres. Matic de Ligt. Compagnie. Modric. Abel Hernández. La passe est Oh, mauvais endroit pour commettre une faute. Ça va donner un bon coup franc. Le joueur du Real qui prend un carton jaune pour cette faute. Ouais, ouais, logique. Hein. Il s'est bien raté sur ce coup-là. On revoit cette intervention. Qui n'a pas trop plu à l'arbitre. Ouais, faute, pas d'hésitation du côté de l'arbitre. On revoit la faute sur cette intervention. C'est un coup franc à suivre. L'arbitre a pris la bonne décision. Le joueur met une petite charge. Il y a danger sur ce coup franc qui pourrait bien être direct. Ah, ils avaient concédé un coup franc bien placé.
Il n'aurait pas dû le faire. Ils l'ont payé. Ah, quelle est belle cette égalisation, importante également surtout. Hein. Oui, elle est importante parce qu'elle vient couronner tous les efforts consentis pendant tout le match. Allez, j'ai envie de dire que c'est mérité. Et voilà donc à égalité, un but partout. Williams. Oui, il a bien lu le jeu. Ballon intercepté. Nikola Vlasic, alors qu'un changement a été demandé a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. En profondeur, oui, bien vu. Oh, la parade du gardien à bout portant. Il fallait le sortir cet arrêt, franchement c'est bien joué. Le danger qui s'éloigne, c'était pour Pogba. Et le ballon bloqué par le gardien. Nikola Vlasic, interception, allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Mario Fernandez, Kevin De Bruyne qui intercepte. Allez, il peut y aller tout seul. Dommage, hein, c'était une occasion de prendre l'avantage pour eux. Matic de Ligt, Upamecano, Kevin De Bruyne, Dembélé. De Bruyne. Ah, c'est un ballon perdu. Magnusson. Ouais, la magnifique passe là de Modric. Ah oui, le bon ballon là. Et Eden Hazard. Ouais, voilà le but. L'équipe qui prend l'avantage. Et c'est vraiment mérité. Bah oui, parce que depuis le coup d'envoi, elle s'est créée plein d'occasions nettes. On voit ce but, le joueur qui quand même profite des largesses, hein, du gardien adverse. On voit surtout qu'il n'avait plus qu'à la pousser dedans. Le Real Madrid qui a pris l'avantage au tableau d'affichage. Mario Fernandez. Jesús Vallejo. Matic de Ligt. De Bruyne. Ah, si personne n'intervient, si personne ne vient presser, ça peut continuer longtemps comme ça. Ils construisent, ils font tourner. William, et la voilà la frappe. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Il choisit la frappe. Et l'arrêt du gardien. Allez, touche, pourquoi pas dangereuse pour le Real Madrid. Allez, un changement dans cette équipe, Pierre. Entraîneur qui, bien sûr, espère avoir fait le bon choix. Kevin De Bruyne. Jesús Vallejo. La frappe. Corner en faveur du Real Madrid. Allez, il trouve la surface De Bruyne. Une fausse alerte, finalement. De Bruyne. Eden Hazard. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Le remplacement. Ouais, faute évidente. Et l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser. Il faut qu'il fasse entrer du 109.
Il est bien redescendu, il a récupéré le ballon. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Magnusson. Les supporters qu'ils savent, si leur équipe doit égaliser, c'est maintenant. Ah, c'est bien dégagé devant, il va pouvoir s'enfoncer. Ouais, le centre qui ne donnera pas grand chose. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Ouais, après un bon pressing, eh bien, il retrouve la possession du ballon. Attention à cette perte de balle au milieu. Ah, écoutez ça, Pierre, le score qui n'est pas favorable, mais le public qui croit encore. C'est normal, hein, faut y croire jusqu'au bout. Hein. Le gardien qui se frise hein, sur cette tête. Hein. Ah, t'aimes ça les bouclettes, hein. Ouais, ça m'arrête facile. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Et il sort complètement perdant de son duel face au gardien. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête, franchement, je comprends pas. Allez, encore 5 minutes à jouer dans ce match. Le Real Madrid qui s'approche du but. Allez, le centre, mais contré par le défenseur. Bon, attention, c'est pas fini. Interception. Alvaro Adriozola. Nikola Vlasic. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel au minimum. Hein. Allez, les Madrilènes qui s'emparent du ballon. Williams. Elle a mis beaucoup d'agressivité hein, dans cette intervention. Nikola Vlasic. Il rend un peu le ballon à l'adversaire. Il n'a pas su résister à cette bonne séquence de pressing. Là, c'est terminé sur ce coup de sifflet ultime de l'arbitre. Deuxième match, deuxième victoire dans ce groupe pour cette équipe. Résultat idéal, hein, Pierre. Ouais, rien à dire. Sur le plan comptable, c'est parfait. Carton plein, cette deuxième victoire les place idéalement dans le groupe. Il faudra maintenant confirmer ce bon résultat lors de la prochaine journée. Que dire de la prestation d'Eden Hazard ? Très bon match pour lui, avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif. Oh, le vilain tacle où l'arbitre va sévir, à mon avis. Eh bien, les choses n'auront pas traîné hein, ce début de match. Ouais, déjà un premier temps. Ballon bien récupéré par Paul Pogba. Oui, la frappe. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. La passe est interceptée. Oh, mauvais endroit pour commettre une faute. Ça va donner un bon coup franc. Le joueur du Real qui prend un carton jaune pour ça. L'arbitre a pris la bonne décision, le joueur même. Il y a danger sur ce coup franc qui pourrait bien être direct. Ah, ils avaient concédé un coup franc bien placé. Ils n'auraient pas dû le faire. Ils l'ont payé. Ah, la magnifique passe là de Modric. Ah oui, le bon ballon là. Et Eden Hazard. Ouais, voilà le but. L'équipe qui prend l'avantage. Et c'est vraiment mérité. Bah oui, parce que depuis le coup d'envoi. Elle... Jesús Vallejo. La frappe. Corner en faveur du Real Madrid. Oui, il y avait un espace, il l'a vu.
Il sort complètement perdant de son duel face au gardien. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête, franchement je comprends pas.